Lionel Messi a encore régalé avec un coup franc subliminal. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Léo Messi, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Lionel Messi a marqué un coup franc avec Miami, les gars, son nouveau club. Franchement, ce coup franc était vraiment énorme. C'était vraiment un top coup franc. Beaucoup vont dire que non, c'est parce qu'il joue en MLS, les gars. Vous avez vu le coup franc là? C'est un coup franc vraiment de classe mondiale. Même si c'était un coup franc qui était tiré en Europe, quasiment n'importe quel gardien a encaissé ce coup franc, les gars. C'était un coup franc vraiment travaillé, placé, etc. Donc, je trouve que ce n'est pas parce que Messi joue en MLS qu'il a marqué ce coup franc. Même s'il joue en Europe, la façon dont il a tiré ce coup franc là, c'est un coup franc qui devait entrer. Dans 90% des cas, c'est un coup franc qui devait entrer. Peu importe le gardien, les gars. Peu importe le championnat. C'est un coup franc vraiment travaillé. Un coup franc vraiment bling bling. Un coup franc vraiment top. Donc, beaucoup vont critiquer. Non, c'est parce qu'il joue en MLS. Ce n'est pas parce qu'il joue en MLS, les gars. Ce n'est pas parce qu'il joue en MLS. Donc, Messi, partout là où il est passé, il a toujours marqué l'histoire du foot. Il a toujours marqué des beaux buts, etc. Et moi, je lui souhaite tout le meilleur en MLS, les gars. Je lui souhaite tout le meilleur en MLS. Qu'il s'épanouisse vraiment, qu'il profite. Et voilà. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce sont, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.